Après avoir sauvé Johanna des griffes de Marc, qui s'est avéré être un escroc, José a emmené Johanna à la cabane. Profitant du départ de Nicolas, parti retrouver Audrey, ils se sont lancés dans une tendre évocation de leurs souvenirs et ont fini par passer la nuit ensemble. Le lendemain, bouleversés par l'évidence de leur amour, les deux vieux amis ont décidé de garder leur histoire secrète. Toujours sans aucun souvenir de son passé, Hélène a débarqué à nouveau sur le sol de Love Island en compagnie de Rudy, qu'elle a rencontré à Caracas et qui est la seule personne qu'elle connaisse. Mais tous les amis d'Hélène la croient morte. Ils se préparent à accueillir le retour de Bénédicte qui va rejoindre Jimmy avec leur petite fille Léa. Le retour imminent des deux femmes de sa vie rend Jimmy de plus en plus nerveux. C'est vrai, j'ai l'air d'un pingouin, mais bon. C'est vrai, ça fait un peu déguisé quand même. Fais voir. Non. Non. Bon, alors. Celui-là, alors. Non? Ça? Regarde. Celui-là non plus? Celui-là, rouge. Rouge, ça va bien. Rouge, c'est chaud, c'est bien, quoi. Non? Beige? Oh, j'ai mis. Je tiens absolument attaché un costume. Bah écoute, il y a ma femme et ma fille qui arrivent, alors il faut que je sois beau. Allez. Et si tu prenais tout simplement une chemise et un pantalon? Comme d'habitude? Tu crois que c'est suffisant? Je crois surtout que c'est ton style. Parce que... Bah alors là, y a pas de problème. C'est ce que je prends toujours. Ça. Pantalon qui va avec ça. Ça. Ça alors. Ouais, c'est ça. Et quoi, il faut de... Regarde là. Super. Tiens. Avec les chaussettes, c'est bon. Hop. Tiens, ça, et ça, voilà. Ça. Oui. Surtout, c'est plus simple, non? Oui. Bon ben... C'est sympa de m'avoir accompagné. Sans toi, je ne serais pas arrivé, quoi. C'est peut-être pas très gentil de ma part de te demander ça, mais... Non, t'inquiète pas. Je passe les caps et de toute façon, je suis très heureuse avec Stéphane. Et toi, tu seras toujours mon meilleur ami. Alors, c'est super. Bon, j'ai enlevé mon déguisement. À tout de même. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? T'es de mauvaise humeur ce matin? Non, je suis pas de mauvaise humeur. Ça fait des heures que je me fais un sang d'encre. On peut savoir où t'as passé la nuit? Mais oui, j'ai dormi à mon hôtel. J'avais envie d'être tranquille. Ouais, et tu peux pas me prévenir? Excuse-moi, mon chéri, mais ça m'a échappé. T'inquiéter, c'est mignon. Ça va, arrête, hein. Tu moques pas de moi en plus. Qu'est-ce qui va pas? Je te rappelle que c'est prévu dans l'article 11 de notre contrat de mariage. J'ai le droit de découcher quand je veux. Et sans te prévenir. Cela dit, rien n'est signé. On peut tout annuler. Je te laisse réfléchir. Audrey! Excuse-moi. Mais j'étais mort d'inquiétude, moi. Je
Alors je te pardonne. Ça va, t'es pas trop malheureuse à cause de Marc ? Oh non, ça va. Mais quand même, t'éprouvais pas mal de sentiments pour lui. Non, c'est quand même difficile d'éprouver quelque chose pour quelqu'un de si malhonnête et si décevant. Bien sûr. Tu vas aller le voir en prison ? Prison ? Mais pourquoi j'irais le voir en prison ? J'ai plus rien à faire de ce type. Ouais. C'est marrant, hein ? Mais avant, tu vivais pas comme ça, tes déceptions amoureuses. Comment veux-tu que je le vis, ce truc ? Bah écoute, j'en sais rien, mais c'est plutôt pénible comme situation, non ? Non, je vais te dire ce qui est pénible, en fait. Mmh. Ce qui est pénible, c'est les copines qui posent plein de questions sur des choses dont on n'a plus rien à faire. Ah, ok, désolée. Eh ben écoute, tu vois, je disais ça pour être gentille, pour être sympa, mais si je t'ai dérangée, vraiment, je suis désolée. Lali, ne te vexe pas. Écoute, Marc, c'était un gros escroc, un pourri. Alors, il se retrouve en prison. Franchement, c'est exactement ce qu'il méritait. Ah, c'est tout. Oui, bien sûr. Et dis-moi, tu trouves pas bizarre que José soit venu me voir ce matin ? Non. Non, non. Enfin, il est passé dans le coin et... Il m'a dit bonjour comme ça, et puis je faisais du café, donc j'ai invité boire un café, et voilà. Mais ça fait pas partie de ses habitudes. Non. Mais il n'y a pas de quoi faire un plat. Écoute, ça fait un an qu'on est installé ici, et José n'est jamais passé par l'agence. Jamais. Écoute, j'en sais rien, il n'y avait pas le temps avant, je sais pas. Non, mais à mon avis, il nous cache quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous cache ? Je sais pas, t'as pas remarqué l'air troublé qu'il a eu quand il m'a vu ? Non, non, j'ai rien remarqué. On avait l'impression qu'il avait avalé un parapluie. Ah bon ? Mais moi, je me demande si José n'est pas amoureux. Tu vois ? Amoureux de... C'est... Enfin... De qui ? Pas de moi, tu te m'aimes ? Mais non, pas de toi. Amoureux de moi. José, t'es amoureux de toi ? Ben oui, pourquoi pas ? Attends, ça fait un petit moment qu'il a un air bizarre à chaque fois qu'il me regarde, et puis je me pose des questions, et puis de le voir ce matin ici à l'agence, je sais pas, il t'a rien dit. Non, non, rien de spécial. Bon. Mais écoute, on verra bien, hein. Mmh. Mais moi, je te dis que si José est passé par ici, ce matin, c'est pas par hasard. Et j'ai bien le temps. Ça y est, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez dévalisé le magasin ou quoi ? Presque. J'ai mis ça à acheter une super belle chemise, un très beau pantalon et des chaussures à tomber. Je vais mettre ça à l'intérieur, ça sera plus à l'abri. Hein ? Mmh. Sacré Jimmy. C'est un très grand jour pour lui. Je n'arrive pas à réaliser qu'il est papa. J'ai l'impression que lui non plus. Hein. Regarde-le. On va essayer de rester calme. Hein. Mm. Il reste encore quelques heures avant l'arrivée de l'avion. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. T'as pas besoin de faire cette tête, mon vieux. C'est bon, c'est bon. Quoi, j'ai l'air nerveux ou quoi ? Non, pas du tout. Tu as l'air d'un papa qui va découvrir sa petite fille. C'est tout. J'ai envie de repasser à la maison pour vérifier si tout est prêt. Non, non, c'est bon. Tout est prêt à la maison. Il n'y a pas de problème. Tranquille, regarde-moi. Tranquille. J'espère qu'ils n'ont pas eu de turbulence en avion, c'est tout. Mais non. Ah. Tu as regardé la météo sur Internet. Il n'y a pas un seul nuage.
Oui, mais Léa, elle est encore tout petite, alors c'est, pour ça, c'est normal que je m'inquiète. Mais attends, il y a des bébés qui naissent dans les avions, il n'y a pas de problème, c'est bon. Allez, alors, regarde, tiens, t'as des clients qui arrivent, tu vas t'en occuper, tu vas travailler, ça va te faire le plus grand bien. Allez, vas-y, vas-y, c'est bon. Ouais, bah t'as raison. Ouais, vas-y. Bonjour. Bonjour. C'est jet ski? Oui, oui, oui. On a beaucoup. Là. Vous voulez laquelle? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Ça va pas? Hein? Ça va pas? Si, 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 ça va, ça va. Juste... quelques problèmes, ça va aller. Et quel genre de problème? On peut savoir? C'est pas très intéressant. Tu peux pas en parler à la femme que tu vas épouser. Ça n'a pas un rapport avec le coup de téléphone que t'as reçu ce matin? Si. Oh si. C'était mon banquier. J'ai un client canadien qui m'a pas payé ce qu'il me devait, je suis à découvert, voilà. Et tu devais beaucoup d'argent? Ah oui, 500 000 dollars. J'ai construit un hôtel pour lui dans les Laurentides et sa société a fait faillite et bien évidemment, il m'a pas payé. Mon pauvre chéri, mais tu vas t'en sortir. Ouais, 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 il faut juste que je vende un petit immeuble que mes parents m'ont légué, ça devrait aller. Attends, ça se vend pas comme ça un immeuble, hein, ça prend du temps. Si je le brade, ça ira vite. Tu sais, c'est un joli petit hôtel particulier dans le 16e. Ma famille vit là depuis 3 générations. C'est là que je suis née. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas vendre ta maison de famille, enfin, c'est pas possible. Je suis obligée. Non. Non, t'as une autre solution. Laquelle? Que j'appelle mon banquier et que je te fasse un virement. Non. Oh non, c'est hors de question. Écoute, David. Tu es toujours d'accord pour m'épouser? Je vois pas le rapport. Il y en a un. Mes parents m'ont toujours dit que quand on s'aimait, c'était pour le meilleur ou pour le pire. Donc pour l'instant, tu m'as apporté que le meilleur. Alors s'il te plaît, tu me laisses aider quand il y a un peu de pire. Vera, c'est non, je ne peux pas accepter. Mais écoute, sois gentille. Tu sais que je suis riche. Pour moi, c'est pas une somme si importante que ça. Vera, c'est non. C'est non. Non, ce serait... malsain. Malsain. Non, mais enfin, mais c'est moi qui te le propose. Puis en plus, si un jour on fait un enfant, j'aimerais beaucoup qu'il naisse dans la maison de son père. Tu sais trouver les arguments qui touchent, hein? T'es d'accord? Bah oui, oui, je suis d'accord. Mais tu me prêtes cet argent. Et dès que j'ai terminé l'opération Love Island, je te rembourse. D'accord. Ah, tu vois, tout s'arrange. Alors arrête de me faire cette petite mine. Hein? Je t'aime. Bon, ben, je vais appeler mon banquier. Tu me donnes les coordonnées du tien? Comme ça, on peut faire le virement tout de suite. Ouais. Tiens, regarde. Je te passe même déjà le téléphone. Tiens, ma cousine m'a prêté ça pour toi. Oh, merci, c'est vraiment adorable. Si tu veux d'autres serviettes, ils sont dans le tiroir. Non, non, ça va, je t'en remercie. On peut aller à la plage, si tu veux. Il y a des belles plages ici. Oh, magnifique. Tiens, je vais t'amener à Happy Bay. Normalement, c'est privé, mais je connais des gens qui y habitent. Comment t'as dit Happy Bay? Oui, c'est ça. Pourquoi? Mais j'ai encore l'impression que ce nom me dit quelque chose. Happy Bay, la baie heureuse. C'est pas très original. Ouais, t'as raison, mais... je dois me faire des idées. Tu sais, à force de se souvenir de rien, ben on se raccroche à la moindre chose. Ouais. Ça doit être bizarre quand même, non? Ouais, c'est bizarre. Mais bon, quand on connaît des gens aussi gentils que toi, ben ça va bien quand même. Merci. Écoute, tu vas te laisser t'habiller et dès que tu es prête, on va faire un tour, ok? Ok, ça marche. Okay.
sûr qu'on a rien oublié là. Oh non, je crois pas. Faut bien déposer tout ça à la cabane avant d'aller au bureau, non? Ah ouais, c'est une bonne idée. Dis-moi en fait, t'as des nouvelles de Jeanne? Ah non, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, association d'idées, on est au marché. Béné arrive de Paris et Jeanne y est, donc voilà. Elle est pas à Paris, elle est à Fleur et Mérogis. Bon, c'est pas trop loin quand même. Entre les deux, il y a plus que des kilomètres. Des murs de béton, des barreaux. T'as pas essayé de lui écrire? Si, elle m'a jamais répondu. Elle a peut-être pas reçu tes lettres? Ouais, peut-être, oui. Ils vont vraiment la garder 10 ans? J'en sais rien, d'après son avocat, elle peut sortir au bout de 5 ans si tout se passe bien. 5 ans, c'est déjà une éternité. Hein. Tu vas retourner là-bas? C'est rien. T'es toujours amoureux d'elle? Attends, qu'est-ce que t'as? Tu vas pas me dire que t'es amoureux de McAllister quand même? Bah écoute, mon petit vieux, pour être amoureux, faut avoir un cœur. Je suis même plus sûr d'en avoir un, moi aussi. Voilà. Pourquoi moi aussi? Mais j'en sais rien, tu vas pas me poser des questions toute la journée, non? Oh merde! C'est grave si je n'ai pas dormi avec toi la nuit dernière. Tu m'as donné autant de plaisir ce matin. T'as raison, oui, c'est pas trop grave. Maintenant que tu es raisonnable, je vais te faire une confidence. J'ai passé la nuit avec Nicolas. Et qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais prévenu que j'avais l'intention de m'amuser avec lui. Tu te souviens? Attends. Tu ne serais pas un petit peu jaloux? Va-t'en, je te dis. Très bien, comme tu veux. Audrey. Tu as quelque chose à me dire? Je ne suis pas une marionnette. Tu me dis de m'en aller? Je pars. Audrey. Je t'en supplie. Ah, mais relève-toi, t'es ridicule. Ça m'a fait mal. Et tu vois, je commence déjà à digérer le coup. Les chauffe-biberons, j'ai oublié d'acheter les chauffe-biberons. Mais quel chauffe-biberon? Béné m'avait demandé d'acheter un chauffe-biberon pour la petite et j'ai oublié. Tu t'occupes du watersport, je fonce à la pharmacie. Tu dois combien? $1, s'il vous plaît. Tenez, voilà. Merci. Ouais, vous aussi. Au revoir. Salut. Salut Lali, c'est sympa de passer. Bah ouais, je faisais visiter une villa dans le coin, alors je me suis dit... T'es tout seul?
Et bah, Cynthia est partie avec un client et Jimmy est à la pharmacie acheter un chauffe-biberon. Il est dans quel état, lui? Bon, un peu pire que ce que t'imagines. Mais bon, dans quelques heures, ces deux femmes seront là et tout ira bien. Ouais. T'as 5 minutes, là? Bah oui, bien sûr. Hein. Parce que voilà, je vais te parler d'un truc. Je trouve que José me regarde de façon bizarre depuis quelques temps. Ah ouais? Non, mais j'ai rien remarqué. T'as rien dit? Bah, non, qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Je sais pas, comme il sait que tu me connais bien. Bon, c'est pas grave. Écoute, on se voit ce soir. Mmh. D'accord. À ça. À ce soir. Voilà. C'est le plus bel endroit de l'île. C'est magnifique. Viens, on va sur la plage. Hey, c'est marrant la cabane là. Il y a des gens qui habitent là? Oui, des copains à moi. Tu sais, le cousin de Virginie? Mais on dirait la cabane de Robinson Crusoe. Tu vois, ça me dit quelque chose, mais je sais d'où ça vient. Tu veux voir l'intérieur? Ah non, non, ça se fait pas, t'es fou. Viens, on va sur la plage un peu. D'accord. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression d'être chez moi. Tu es chez toi? Bon, dans 10 minutes, on a la cabane, on dépose tout ça et on repart au bureau. Tu sais bien à quelle heure arrive l'avion de Benet? Normalement vers 5h. Et dis-moi, on va pas passer près de l'agence de Johanna là? Ah oui, pourquoi? Tu veux pas m'arrêter 2 minutes? J'ai un truc à lui dire. Bon, si tu veux, mais fais vite, on a plein de choses à faire. Ouais, ouais, promis, t'inquiète pas. Non, 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 c'est pas la peine de te garer, j'en ai pour 2 minutes. Ok. Ok, Mrs. Myers, well, I'll have everything ready for you when you get here. And if I need to reach you, your New York number? Ok. Early flight. Ok, that's perfect. Well, I'll see you on Tuesday then. Bye bye, have a nice day. You too. Bye. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de te voir. Ça va? T'as pas un petit papier à chercher? Oui, j'avais un papier à chercher. C'est pas raisonnable. C'est pas grave. Salut Nico. Alors t'es passé me voir? Non, José avait un truc à demander à Johanna. Ah, José. Bon, ben j'y vais, hein. À ce soir. Ah oui, à ce soir. Oui, t'es temps, regarde. Bon, on n'a rien fait de mal, ce soir. Mais décidément, on ne se quitte plus. Ouais, mais là, Nico m'attend, je suis à la bourre. Je me sauve, ciao. Ouais. T'es très belle. Merci. Et là, il passait encore par hasard, c'est ça? En fait, il cherchait le numéro de téléphone. Oh. Et il pouvait pas appeler? Eh bien, moi, je crois que mon premier diagnostic était le bon. Ce garçon est amoureux de moi. Alors tu vois, pendant ton absence, j'ai fait modifier le projet. En mettant les bâtiments dans ce sens,
On peut en construire un cinquième. Juste là. Ouais, ouais, c'est astucieux. Mais les bâtiments sont moins bien orientés. C'est vrai qu'ils ne sont plus plein sud. Mais bon, les gens qui viennent en vacances ici ne passeront pas leur journée dans leur chambre. Et ce petit détail augmente nos bénéfices de 25%. C'est énorme. 25%? Pas mal, bravo. C'est vrai que je ne suis pas mécontente. Tu vois que tu ne fais pas une si mauvaise affaire que ça en m'épousant. Mais j'ai jamais pensé ça. Je vois juste un problème. Tu te souviens qui appartient au terrain sur lequel on veut construire notre hôtel? Oui, à Nicolas. Eh oui, à Nicolas. Et jusqu'à présent, il ne veut pas vendre. Ça, fais-moi confiance. Je réussirai à le faire changer d'avis. Mmh. Et si tu n'y arrives pas? On le fera expulser. Décidément, tu es impitoyable, même avec tes amants. Je ne mélange pas le business et l'amour. C'est comme ça avec toi, c'est comme ça avec lui. Tu devrais le savoir. Tu me surprendras toujours. J'espère bien. Si on allait faire un petit tour là-bas? À vos ordres, Madame Watson. Allons-y. Alors c'est d'accord? Tu me prêtes cet argent et je te rembourse dès que je peux? Mais oui, arrête de parler de ça, c'est réglé. T'as pas envie qu'on y retourne? Oh ben c'est pas très prudent. Avec ce que j'ai gagné hier, la chance va tourner. Mais pourquoi? Y a pas de raison. Surtout avec toutes les pièces que t'as gagnées et que t'as oubliées dans la boîte à gants. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Écoute, c'est juste histoire de réinvestir les bénéfices, c'est d'accord. Tes désirs sont des ordres. Voilà, je te laisse choisir ta machine. Moi, j'allais faire un peu de monnaie pour moi. Bah tiens, t'as qu'à en prendre. Ah non, 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 non. Je ne veux ni vivre ni jouer à tes crochets. Mais quel macho. Celle-là, elle m'a porté chance. Je reviens. Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir mon banquier, tout est réglé, c'était un simple malentendu. J'espère bien. Je vais quand même faire vérifier, si vous le permettez. Je vous en prie. Une petite partie vous tente? Pourquoi pas? Je vais prévenir mon ami, je reviens. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Je sens que ça s'arrange déjà. Non, mais la chance va me revenir. Je vais faire un tour au Blackjack et puis je te rejoins. Ça marche. À tout de suite. Tu as un passe-fof? Bah si, un peu. Bouge pas. Je vais chercher une noix de coco.
Francesca? Qu'est-ce que t'as, Francesca? Oh. Non, rien. Non, rien, t'inquiète pas. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu tout tourner. Ça devrait être le soleil. On a resté trop longtemps. Ouais, sans doute. Ça va? Ouais, ça va mieux. Bon, viens. On va retourner à la voiture. Je vais te mettre l'air conditionné, ça va te faire du bien. Je t'embête, hein. Mais non, appuie-toi sur moi. Ah, mais moi, ça va mieux, hein. T'inquiète pas. Oh. Attends. Ouais, bon, je te laisse là parce que Nicolas s'impatiente. Non, t'inquiète pas, tu te doutes de rien. Moi aussi, je t'embrasse ta femme. À ce soir. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu foutais? J'étais aux toilettes. Passionnant. Oh, ça va, il est même pas midi. Ouais, bon. T'as fini de râler? On est à 2 minutes. Je crois pas, on est en retard, c'est tout. T'as vu, Sir Rudy? Ouais, j'ai vu. T'as pas fait gaffe? J'ai vu une blonde allongée sur le siège. Non, je sais pas, j'ai pas remarqué. Il doit faire une fixette sur les blondes, celui-là. C'était qui? Des copains, moi. Justement, c'est qui habite dans la cabane. Ça va mieux, toi? Oui, oui, beaucoup mieux. Si tu veux, on peut aller faire un tour au casino. C'est sympa. Il y a l'air conditionné et... au moins, tu seras au frais, non? Eh ben, je veux bien. Ben, on y va. Quand on y réfléchit, c'est tout à fait naturel. De quoi tu parles? Je te parle de José, écoute-moi. José est revenu ici pour Bénédicte, d'accord? Seulement, il vient d'apprendre, comme nous tous, que Bénédicte a fait un enfant avec Jimmy. Donc, pour lui, avec Bénédicte, c'est foutu. Hein? Voilà. Donc, tu en viens où? José se retrouve tout seul, d'accord? Il regarde autour de lui et qu'il voit moi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe amoureux de moi. Est-ce que tu le dis? Le plus dur maintenant, ça va être de ne pas lui faire trop de mal. Ça va être dur. Mais pourquoi tu veux lui faire du mal? Écoute, Johanna, arrête de jouer sain d'esprit parce que ça commence à m'agacer. Ou alors dis-moi carrément si ce que je te raconte ne t'intéresse pas. D'accord? José forcément va me faire des avances. Je vais être obligée de les refuser. Il va avoir mal, il va être malheureux. Ah bon? Je pourrais pas sortir avec José, c'est pas possible. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est comme si... je sortais avec mon frère. Tu vois? Oui, oui. Quoique, ça s'est déjà vu. Des gens qui se connaissent depuis des années. Puis d'un seul coup, crac, ils tombent amoureux l'un de l'autre. On sait pas pourquoi. Tu crois que c'est possible, ça? Mais bien sûr que c'est possible. Ça s'est même déjà vu plein de fois. Et d'ailleurs, peut-être que ce serait même la meilleure solution. Ça résoudrait tous les problèmes que je tombe amoureuse de José. Si j'arrive à tomber amoureuse de José, bien entendu. Ce qui est pas évident. Bah, écoute, moi, je pense que c'est quand même pas la peine que tu te forces. Hein? Mais attends, j'ai pas besoin de me forcer, hein? Je trouve très mignon, José. Ouais, il est moins beau que Nico, d'accord, mais... Non, en plus, c'est pas mal, parce que comme je le connais depuis des années, j'aurais pas de mauvaise surprise. Tu vois? La tête de Stéphane, quand je vais lui annoncer que je sors avec José. Tu vois sa tête? Attends, wow, Lali, attends. Redescends sur terre un petit peu, parce que José, il est passé tout à l'heure pour... Pas juste pour prendre du motif. Mais ça, c'est ce qu'il t'a dit. Mais tu vois, Johanna, mais c'est fou comme tu manques de feeling. C'est incroyable.
Bon, allez, moi j'y vais. Tu vas où? Je vais faire des courses. J'ai envie d'être belle ce soir. Ciao! C'est impossible de trouver un chauffe-biberon sur cette île. Ils sont tous en rupture de stock. Mais c'est pas grave, tu le feras chauffer au bain-marie, ton biberon. Ah, t'es sûr que c'est aussi bien? Mais oui, c'est la même chose. J'ai l'habitude avec Diego. C'est comme ça que je faisais quand Lali me le déposait ici. Oui. Benet m'avait quand même demandé d'en acheter un. Mais elle ne t'en voudra pas, je te promets. Oui, j'espère. C'est drôle, hein. J'ai jamais été nerveux comme ça. Bon, quelle heure il est? Il est midi et encore quelques heures de patience. Midi, oui. Midi. La bague. Il faut que j'aille chercher la bague. Mais quelle bague? La bague que j'ai commandée pour Bénédicte avec un diamant. Il faut que j'aille la chercher à la bijouterie. J'y vais. À tout à l'heure. Ciao. Pourvu qu'il ne fasse pas un infarctus. Il est tellement heureux. C'est génial. Mais tu te rends compte? Retrouver sa femme et découvrir sa fille comme ça d'un seul coup, ça c'est de la magie. Et voilà, comme ça tout est prêt pour ce soir. Bon bah allons-y. Faut finir les courses avant d'aller au bureau. Tiens, je crois qu'on a de la visite. Qu'est-ce qu'il vient de foutre ici, celle-là? À mon avis, elle peut plus se passer de toi. Tu savais qu'il était là? C'est pour ça que tu m'as fait venir? Non, je trouve ça plutôt drôle. Tu trouves pas? Non, je trouve pas ça vraiment drôle. Eh bien, essaie de ne pas le montrer. Peter, Joseph McAllister, je présente mes hommages. Bonjour, Nicolas. Salut, José. Salut, Peter. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je voulais revoir la plage avec Peter. Ah oui, tu n'es pas au courant? Mais j'ai changé le plan d'implantation des bâtiments. Quel bâtiment? Eh bien, ceux des hôtels que nous allons construire, bien sûr. Mais il n'y aura jamais d'hôtel sur cette plage. Je croyais vous l'avoir déjà dit, à vous aussi, Peter, non? Tu me vouvoies maintenant. C'est nouveau? Bon, en attendant, vous êtes sur une propriété privée, alors je vais vous demander de partir. Quel vilain caractère. Tu sais que la plage appartient à tout le monde, et que par la loi, tu es obligé de laisser un chemin pour y accéder. Tu peux nous le montrer, s'il te plaît? Virelin. Bah, cassez-vous. Non, mais elle a raison. Alors, le chemin d'accès est tout au bout de la plage. Vous pouvez vous y promener sur 5 mètres, c'est tout. Ouais, si vous êtes chez moi, je vous prie de partir, vite. Viens, Peter, on va sur la plage. J'espère que nous nous reverrons dans de meilleures conditions, Nicolas. J'en doute fort. Peter. Eh bien, ma chérie, c'est pas gagné, hein? Je trouve ça encore plus drôle. Bien, c'est pas. Merci. Foule au roi. C'est à moi. Bravo, monsieur Mollet, on dirait que la chance revient. Tout ce que j'ai perdu hier, c'est normal que je m'en fasse un peu, non? On continue. On continue. On continue. C'est drôle, hein? Cet endroit me rappelle encore quelque chose. C'est normal. Toutes les questions se ressemblent. Donne-moi ton billet, tu as fait de la monnaie. Choisis une machine, je reviens tout de suite. Tiens.
Prends celle-là. Elle est super. Tu veux commencer? Non, non, vas-y. Bah, c'est pas terrible, hein. Mais si, continue. Puis vous savez, on gagne rarement la première fois. Ah bon? Merci, bah, je recommence alors. Et puis moi, j'ai ma dernière pièce. Bah, ça y est, je suis ruinée. Vous savez quoi? Prenez ma machine, j'ai mis tellement de pièces dedans qu'elle doit être pleine à craquer. Ah oh ben, c'est gentil. Ben vous savez, j'ai pas beaucoup de chance, hein. Bah, appuyez, on verra bien. Ouais, yeah, c'est pas possible, t'as gagné. C'est le super jackpot, j'en reviens pas. C'est ma machine, en plus, c'est génial. Oh, je suis désolée. Mais vous n'allez pas être désolée, vous avez gagné, c'est génial. Regardez, regardez, c'est le jackpot. Je ne crois pas. C'est ma machine. Attends, je vais chercher des sous. Bon, on partage si vous voulez. Non, 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 non. C'est vous qui avez gagné, non, c'est incroyable. Vous savez que vous avez de la chance, vous, hein. En fait, je m'appelle Vera. Enchantée, moi, c'est Francesca. Enfin, je crois. J'en reviens pas. Gentil de venir nous voir. Oh ben, je passais dans le coin, alors je me suis dit que j'allais... Coucou, t'es tout seul? José n'est pas avec toi? Si, il range à l'intérieur. Ah. Voilà, on est prêt, c'est bon. Tiens, salut Loïc. Salut. Ça va depuis ce matin? Ouais, toi? Ça va, ça va. Je passais, alors je suis venue vous faire un petit coucou. Ah, c'est super sympa, ça. T'étais pas habillée comme ça ce matin? Non, t'as remarqué? Je viens de m'acheter cette robe, elle te plaît? Ouais, elle est super, hein. Elle te va très bien, t'es très belle. Merci, c'est gentil. Bon, ben, je vais y aller. Je me disais que peut-être vous auriez besoin d'un coup de main pour ce soir. Ah, ben, c'est gentil, tout est prêt, on a tout déposé à la cabane tout à l'heure. Ah, ben, c'est pas grave, je passerai quand même un petit peu à l'avance pour vous aider. Je vous ferai ma fameuse sauce salade. Tu sais, je l'avais faite une fois, t'avais adoré. Ouais, super, ouais. Bon, ben, à ce soir, alors. À tout à l'heure. Salut. Tu trouves pas un peu bizarre, toi? Bah non, c'est la lit, quoi. Bon, je porte de soif, on va s'en jeter. Je te suis. Alors c'est pour ça que tu m'as fait venir, hein? C'est fou ce que t'es intelligent. Je trouvais ça excitant. Ta perversité n'a d'égal que ton charme. Je prends ça comme un compliment. Alors, comment tu le trouves? Moi, je trouve qui? Nicolas, bien sûr. Il est mignon, non? Tu permets que je ne donne pas mon avis sur le charme de tes amants? Ceci dit, j'ai comme l'impression que vous allez être un petit peu fâchés, tous les deux. Non, je m'inquiète pas. Il reviendra. Tu m'as l'air bien sûr de toi, là. Les hommes reviennent toujours, tu sais. Bon, on y va? Bien, madame. Voilà, ça... Ah. Bon, Cynthia, Stéphane, on va faire le water sport, on y va, oh. Déjà, mais l'avion n'arrive que dans 3 heures. On va les attendre à Saint-Martin. J'ai pris des billets, ils atterrissent dans 1h30. Non, attends, attends, attends. On va faire Love Island, Saint-Martin, aller-retour, rien que pour ça? Oui. Eh oui. 1h30, c'est énorme, surtout quand on attend depuis longtemps. Allez, on ferme. Bon, on y va. Non, non, attends, attends, attends. Toi, tu touches à rien, tu vas te salir, allez. Hein, ok. C'est marrant, hein, j'ai l'impression d'avoir 15 ans et d'aller à mon premier rendez-vous. Eh oui, on a tous 15 ans quand on est amoureux. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, allez, ça va? Voilà, t'es super, la classe et tout, on y va, allez, allez, hop. C'est bon. Non, non, c'est bon. Tout est fermé.
c'est ça. Bon, on y va. Le bar, ah, oui, c'est bon. Allez, 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 allez. Allez, allez. Hey. De pair. Pas mieux. Ah bon, j'ai plus aucun jeu, j'arrête. Comme vous voulez. J'ai perdu combien ? C'est moins grave qu'hier, 50 000. Je peux vous faire un chèque ? Pas de problème. Hé, hey, regarde, les voilà ! Où ça ? Où ça ? Là-bas, les phares, tu les vois pas ? Ah oh, oui, je le vois. Tu le vois, Jimmy ?